أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. On a vu l'autre fois, on a commencé les signes de l'acceptation de Hajj pour les fixer comme objectif, pour les travailler dès maintenant. La page de 180, c'est la dernière, le dernier paragraphe, et le passage le plus dangereux de ce livre et le plus grave. Donc, je vais encore répéter parce que c'est important. فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كُلَّهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْزِمَ قَلْبَهُ الْحُزْنَ وَالْهَمْ. Telle sera l'occupation du cœur de 179. La fin. L'occupation du cœur. L'occupation du cœur. Donc, le plus important, c'est la présence du cœur dans le hajj. Le plus important dans le hajj, c'est la présence du cœur, pas le corps. Le corps est facile de l'avoir ou bien d'être présent, d'acheter le billet, d'aller, tout ça. Le plus important, c'est la présence du cœur. Ça, ce n'est pas seulement pendant le hajj, dans la vie. Dans la vie, le plus important, c'est toujours la présence du cœur. Telle sera l'occupation du cœur pendant les actes du pèlerinage. Pendant les actes. Donc, nous avons les actes et nous avons le cœur. C'est deux choses différentes. Je peux œuvrer avec un cœur distrait comme je peux œuvrer avec un cœur sincère. Ce qu'on cherche, c'est la sincérité. La sincérité, c'est la cohérence entre l'apparent et l'intérieur. Ça, c'est le rêve, hein? Non pas le rêve, mais l'objectif. Telle sera l'occupation du cœur pendant les actes du pèlerinage. Ce livre, La revivification des sciences de la religion, il a essayé de trouver cette cohérence, de t'aider à trouver cette cohérence. Lui-même a vécu longtemps dans le monde visible, le monde apparent, le monde des œuvres, le monde, entre guillemets, l'islam. Après, il a essayé tout d'abord lui-même de grimper pour atteindre l'excellence. Ensuite, il est descendu pour nous tracer le chemin. C'est ça l'histoire de ce livre. Hein. Ça, c'est... Mais il a dit, j'ai pas le droit de parler du sommet ici, dans ce livre. Je parle juste du cheminement. Après, quand tu arrives, tu vas contempler tout seul. Il va t'aider. Ça, c'est son rôle. Ou la permission qu'il a reçue. Alors, il a dit, essaye de, pendant, à la fin du pèlerinage, lorsque seront entièrement accomplis, lorsqu'ils seront entièrement accomplis, il conviendra de garder le cœur triste. Pourquoi triste? J'ai accompli, j'ai réussi. Il a dit Al-Huzna wal-Hamma wal-Khawf, annahu la yaisa yadri aqubila minhu hajjuhu wa uthbita fi zumrati al-mahboubin amrudda hajjuhu wa ulhiqa bil-matrudin. Ça, c'est une réalité. Pourquoi cette tristesse? Pas la tristesse de la dépression, comme je peux entendre ça. Lorsqu'ils seront entièrement accomplis, il conviendra de garder le cœur triste, préoccupé et craintif. Pourquoi mon cœur, je dois le garder triste, préoccupé et craintif après avoir accompli le hajj? Car l'être ne sait pas si son pèlerinage est agréé et s'il est parmi la légion des bien-aimés ou bien si son pèlerinage est refusé et s'il se trouve parmi les bannis. C'est logique. وليتعرف ذلك من قلبه وأعماله. Donc من خلال القلب والأعمال. يعني تعمل تيست في قلبك وفي أعمالك.
qu'il cherche à connaître son cas d'après son attitude intérieure. Tout d'abord le cœur, hein? Et dès maintenant, il faut travailler le cœur. Dès maintenant, il faut essayer de se questionner, de faire le diagnostic. Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Est-ce que je suis sincère? Est-ce que j'aime Dieu? Bien sûr, vous aimez tous Dieu, vous aimez tous le prophète, mais à quel degré, bien sûr, je veux dire ça. Et toujours vous restez vigilant et vigilante. Alors qu'il cherche à connaître son cas d'après son attitude intérieure. Bien sûr, il faut couper l'Internet, il faut s'arrêter d'avoir toujours cette connexion pour trouver la connexion intérieure. Ça, c'est logique. Il faut l'isolement, il faut la retraite spirituelle, il faut parler avec son cœur, il faut écouter son cœur. Tout ça, c'est pas facile aujourd'hui avec la distraction et la vitesse de la vie. Mais c'est indispensable. Qu'il cherche à connaître son cas d'après son attitude intérieure et ses comportements. S'il ressent en son cœur de la répugnance confirmée pour la demeure de perdition et une orientation vers la demeure de l'intimité de Dieu, exalté soit-il, et s'il trouve que ses actes sont, donc la premier signe dans le cœur, c'est la répugnance et l'intimité. Deux mots-clés. La répugnance concernant le monde éphémère et l'attachement ou bien l'orientation vers le monde de l'intimité, comme c'est là marqué ici, le monde de la familiarité. Ça veut dire quoi la familiarité, l'intimité? Préférer rester tout seul avec Dieu. Préférer toujours parler avec Dieu. Éviter les gens. C'est ça la familiarité. Préférer rester avec ton bien-aimé. Si tu sors de Dhikr, tu te sens étranger. C'est ça la familiarité. Tu peux passer des heures et des heures en invoquant Dieu. C'est ça le monde de l'intimité. La répugnance, bien sûr, la répugnance implique la familiarité. Si tu fuis la matérialité, tu vas chercher, tu vas te trouver familier avec Allah. C'est logique. Hein? Ça, c'est dans le cœur. Par exemple, ce que j'ai constaté après le pèlerinage, souvent les pèlerins, une semaine, préfèrent éviter les marchés. Ils n'ont pas le goût de faire les courses. Pourquoi? C'est une manifestation de cette répugnance. Éviter de parler avec les gens. Il veut rester tout seul. Comme s'il a un trésor qu'il veut garder pour lui. Ça, c'est un bon signe. Ça, c'est un signe d'acceptation. Mais on peut perdre tous ces trésors après. Donc, il faut bien qu'on soit clair. Un hajj accepté, ce n'est pas vraiment une garantie pour aller au paradis. On peut monter comme on peut descendre. Après le hajj, alhamdoulilah, ton hajj accepté, il faut le préserver jusqu'à la fin. Le plus important, c'est de dire la ilaha illallah avant de descendre dans la tombe. Ça, c'est le plus important. Le vrai test, c'est à la fin. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est s'entraîner, se préparer à l'agonie. Voilà. Inch'Allah. D'accord? Hein? Il y a des gens qui pensent que le hajj, c'est un tampon, voilà, tu as la garantie. C'est bon, après, tu peux faire ce que tu veux. Pas du tout. Il ressent en son cœur de la répugnance confirmée pour la demeure de perdition et une orientation vers la demeure de l'intimité en Dieu, exalté soit-il. Dès maintenant, consacre une heure, une demi-heure, un quart d'heure d'invocation, tout seul. Prépare-toi à la vie de l'intimité, comme il l'a dit, hein? Et la proximité de Dieu. C'est le bonheur, hein? C'est le seul bonheur sur cette terre. فإن صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور وانصرافا إلى دار الأنس بالله تعالى
ووجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرعي. Et ça, c'est aussi une exigence très, très, très difficile. Elle est apparente, c'est dans le comportement, mais écoutez. Et s'il trouve que ses actes sont pesés avec la balance de la loi, qu'il garde confiance dans l'agrément de Dieu. Je prends un exemple. Après le Hajj, quelqu'un vient t'insulter. Tu fais quoi? Tu fais doigt pour lui, donc ton Hajj, Inch'Allah, est accepté. Mon acte est pesé selon avec la balance de la loi, c'est ça. À la maison, je ne dois pas lever la voix. Je ne dois pas médire. Je ne dois pas mentir. Je ne dois pas manger. Je ne dois pas utiliser de l'argent illicite, ainsi de suite. Donc chaque acte, avant d'agir, il faut le peser sur la, avec la balance de la loi. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut s'entraîner. Il ne faut pas attendre le Hajj. D'accord? Mais le Hajj, qu'est-ce qu'il fait? C'est 12 jours, c'est un nettoyage rapide et express. C'est ça ce qui est magnifique en Hajj. Tu peux te guérir facilement et rapidement. Il faut juste se préparer. Comme j'ai dit, 45 minutes avant le départ par semaine, c'est le minimum. C'est indispensable. D'accord? C'est après, c'est Allah Azzawajal. Ces 45 minutes, ou bien cette préparation, c'est symbolique. Hein? La grâce est divine. C'est Allah qui donne ses bienfaits. Donc, le premier signe d'acceptation de l'agrément de Dieu, les mots clés, la répugnance, voilà, l'orientation vers Dieu, la balance. فليثق بالقبول فإن الله لا يقبل إلا من أحبه. Après la dernière. أشهد أن محمدا